Ses yeux sont un peu turquoise à la couleur et comme des yeux de poupée qui ne clignotent jamais. Et paroles intensifiées deviennent que je lui demande de me regarder. C'est parce que j'adore plus encore les étoiles que vous. Les yeux de beauté. J'ai la réponse. Et si vous voulez le savoir, allez donc voir les petits morceaux d'histoire que je raconte en vidéo d'une certaine femme qui s'appelle la vicomtesse de Catudal. Que non seulement dans mes vidéos, mais en réalité. C'est ça l'intemporel qui vous parle. Elle est jolie comme une fleur, comme tous ses pétales. Et je l'adore, comme tous mes poumons sont en train de avec cette fumée que je fume en vous parlant d'elle. C'est comme ça que je m'engouffre d'elle parfois, comme s'il était de la nico. Mais ça me fait jamais tousser. En fait, je vous dirai un petit secret, qu'elle a un petit parfum tout à fait naturel qui m'enivre même par-dessus son coco qu'elle adore. Et si je connais ce coco? Ce n'est rien de compliqué, allez. Comment vous expliquer que de faire centre vie parmi tant d'étapes de nos vies? Et se parlent d'eux-mêmes comme des personnages qui ont vécu une histoire mais qui sont toujours en train de se le raconter. Quelle fantaisie, si vous croyez. Une histoire vraie. On ne s'appartient pas mais on se complémente. C'est tout à fait comme si c'était un virage. Il n'y a pas de interstice. Car c'est la ligne de joie de Catudal. Dans la personne. Comme je vous disais, hein, Joanne, c'est une femme de ma vie. En fait, c'est ma vie. C'est quelque chose que je pourrais vous réciter dans un petit poème qui est fait comme un pendule avec le temps. Vous comprendrez. Un de ces jours, parce que j'ai l'honneur de pouvoir relire ces pages d'histoire avec cette belle femme. Être toujours une continuation de l'histoire. Joanne Catudal. J'ai déclaré plusieurs fois en public, parfois ça n'a pas marché, mais durant mes absences, et que je t'aime. Ces mots sont pas
Ses yeux sont comme des petits yeux de poupée, à des couleurs que tu croises, mais qui ne jamais. Et c'est comme ça que je lui immerse, même si elle est énervée, sont ses yeux que je regarde toujours. C'est pour ça que je lui dis toujours, regarde-moi. Chaque fois qu'on se parle, même si c'est une petite bataille, c'est là que l'intensité même que je veux regarder dans ses yeux, toutes ces étoiles que je vous parle, parfois, c'est ça, la beauté de ses yeux. Des yeux de poupée, ça clignote. Si je me prends sur l'improbu du moment, Johan, c'est pour te dire que je t'adore. Je suis plus un petit émouvant comme ça.